Ouais, Chris. Bon, ça fait 3 fois que je t'appelle, tu dois être en train de faire un truc. Je voulais juste te prévenir que j'aurai un peu de retard ce soir. Voilà, enfin, je pensais que ce serait bien que tu saches, histoire que tu m'attendes pas, quoi. Ah, et oui, j'ai oublié mon briquet chez toi. Je crois qu'il doit être sur la table de ton salon ou un truc de ce genre-là. Voilà, si tu peux me le ramener, s'il te plaît. Ou juste, enfin, préviens-moi quand si tu l'as retrouvé, quoi. Et voilà. Voilà, c'est tout. À toutes! Ah oh, putain, et bon anniversaire aussi, ouais. Oh yes, I love her like Egyptian. Want her description, my royal highness. So many pluses when I bust that, there can't be no modest. Went from yelling crickets and crows, bitches and hoes to queen things. Over the years I've been up on my toes and yes, I sing things like Kilroy. Shit boy, because them folks might think you soft talking like that. Man, fuck them niggas, I'm going off and coming right back like boomerangs when you throw them. With these old ghetto poems, think it is better form when they can let they throw them. Down from hitchhiking and fighting niggas and... Excuse-moi. T'aurais du feu, s'il te plaît? Non, désolé. Ok, merci. Ah, attends. Si, en fait. Enfin, je crois. T'as changé d'avis? Non, c'est le briquet de mon pote. Et il l'avait oublié. Ok. Merci. Tiens, garde-le. Oh, chouette. Merci. Tu fumes depuis longtemps? Ça t'intéresse? Pas vraiment. T'es bizarre comme mec. Ça te pose un problème? Non, non. Cool. Et tu fais quoi ici, tout seul? Ça t'intéresse? Ouais. T'aurais aimé que je dise pas vraiment, hein? Non, non, tu dis ce que tu veux. Du coup? Tu fais quoi? Ah, pardon, oui. Parce que enfin, tous les 5 avril, on se rejoint ici. Parce que 5 avril, c'est mon anniversaire. Ah, ok. Bah, bon anniversaire. Eh ben, merci. Et voilà, enfin, il était censé arriver à 19h, mais il est toujours pas là. Un pote? Ouais. Ouais. Parce que, enfin, il est presque 20h, donc... Ouais, je sais, j'ai l'heure sur mon portable. Enfin, c'est maintenant. C'est... Mais, enfin, il est toujours pas là. Ouais, je sais, ça aussi. T'es vachement observatrice. Ouais, je sais. Ouais. Chris, je m'appelle Chris. C'est pas très original. Désolé. Et du coup, vous faites quoi d'habitude le 5? Rien de fou. On va dans un bar et vers 2-3 heures du mat, on se mate un film. Toujours le même. Toujours le même? C'est lequel? Superbad. C'est un truc de beauf! Superbad, c'est pas un truc de beauf? Bah. Ça y est, il y a des blagues de cul, alors on rigole. Mais c'est pas parce qu'il y a des blagues de cul que c'est un truc de beauf. Superbad, c'est un film sur la fin de l'adolescence, c'est un film sur l'amitié, enfin c'est un putain de... Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je suis désolée, je savais pas que ça te tenait autant à cœur. Bah ouais, bah la prochaine fois tu sauras. La prochaine fois? T'as quelque chose de prévu, là? He calls in my parents. Turns out this principal is some sort of religious fanatic, and he thinks I'm possessed by some sort of dick devil. My parents make me go see some therapist, and he's asking me all these dick questions. Yeah, well, you guys are Dartmouth. I'll be over at State, where the girls are half as smart and thus twice as likely to fellatio me. What are you guys doing tonight, asshole? We got nothing tonight. No, well, if nothing comes up, we can get shit-faced again, huh? I mean, you always call me a pussy and whatnot, but today you're wrong. At lunch, I'm going to the same place Mike Snyder went to pick up my brand new fake ID. Chica, yeah, fake ID, out today. Okay. Okay. C'était pas si nul que ça. Mais vu que tu m'as quand même vachement lavé le cerveau, laisse-moi du temps. Je te dirai ce que j'en pense. Vraiment. Je vais pas te laisser du temps, t'as rigolé pendant tout le film, c'est que ça non a marché, c'est tout. T'as rigolé, moi j'ai ri parce que toi t'as ri. Oui, bien sûr, ouais. C'est ton film préféré, j'en suis sûr. Tu danses? Non, non, je suis trop fatigué. Thank you.
Allô? Ouais. Attends, je te rappelle après. Mec, je te jure que cette histoire de noyau, c'est un vrai truc. Genre, t'as pas l'impression que le temps, il passe beaucoup plus vite? Je sais pas, essaye de te rappeler si tu faisais quoi l'année dernière. Ça te paraît pas hyper proche? Non, pas spécialement. Tu veux pas qu'on parle de ça un autre jour? Ah, t'inquiète. De toute façon, à chaque fois que j'en parle, tu veux pas en parler, tu changes de sujet. Donc c'est pas grave, on n'en parlera plus. Non, mais c'est pas contre toi, c'est juste que j'ai pas la tête à ça en ce moment. Enfin, surtout pas maintenant, quoi. Okay. Yo! Prêt pour ce soir, Berce des Boys? Oh putain, la flemme. On remet la tradition en place? Ah non, pas possible. On veut pas reprendre une tradition après l'avoir brisée. Ah ouais? Enfin, je m'étais dit qu'on pouvait y retourner, tu vois, voir un peu ce qui se passe. Chris, elle sera pas là. Mais elle a écrit à bientôt sur le message. Et puis même, enfin, t'étais pas là, mais j'ai senti un truc, il s'est passé quelque chose, c'est sûr qu'elle va revenir. Je lui ai dit que je revenais tous les ans. Attends, tu crois pas qu'elle aurait essayé de te retrouver depuis? Mais je lui ai donné que mon prénom, comment tu veux qu'elle me retrouve? Mais mec, on est en 2018, on peut trouver n'importe quoi avec rien. Là, regarde, tu te souviens du gars là qui m'avait volé mon briquet? Voler ton briquet? Tu passes ton temps à le perdre, ce putain de briquet. Bon, enfin, en attendant, aux dernières nouvelles, ça t'a bien arrangé. Mais enfin, change pas de sujet. Tout ce que je savais du gars, c'est qu'il avait les cheveux bouclés et une longue écharpe grise. Bah, l'air de rien. Une demi-heure plus tard, j'avais trouvé son nom. Fort. Mytho. Et comment il s'appelait? Rodney Icascor. Rodney Icascor? Sérieux? N'importe quoi, mec. Bon gars, tu me crois, tu me crois pas, j'ai rien à prouver, hein. Par contre, tu ferais mieux de me croire quand je t'ai dit qu'il faut que tu lâches l'affaire. Si jamais j'y retourne quand même. Tu m'accompagnes? Il fait du chaud. Donc tu vas la foutre. T'abuses, mec. Ah, mais moi, je peux pas parce que il y a le mariage de ma grand-mère. Donc, Bad luck to talk. On these rides, mine on the road, your dilated eyes, watch the clouds float, white Ferrari, had a good time. 16, how was I supposed to know? C'est une belle soirée, hein. Qui s'annonce, hein? C'est à moi que vous parlez? Entre autres. Mais je te n'arrange pas. Vous êtes libre de vous asseoir où vous voulez. Bon, ça va. Comment tu vas, Chris? On se connaît? Tu me reconnais pas? Rodney Icascor. Pas du tout. Pas du tout. Attends, c'était toi le gars qui avait volé le briquet de Franck à la soirée là? Ouais, voler, c'est un bien grand mot, hein, déjà. Ouais, bon, c'est vrai qu'il perd tout le temps. En plus. Mais c'est quoi ton vrai nom là? Mon vrai nom, c'est Lonnie Blumenberg. Lonnie Blumenberg. T'es con. Je sais pas pourquoi tu rigoles, c'est mon vrai prénom. Mes ancêtres étaient allemands. Je suis désolé. Non, t'en fais pas. C'était une blague, enfin, je pensais que... Enfin, moi je m'appelle Chris, quoi. Non, mais c'est pas grave. Okay. Enfin bref, qu'est-ce que tu fais ici là? Qu'est-ce qui t'amène? C'est une longue histoire, je suis pas sûr que ça t'intéresse. Elle est vraiment longue ou c'est juste que t'as pas envie de me la raconter? Ouais.
En fait, l'année dernière, j'ai rencontré une fille. Et voilà, depuis, je ne l'ai plus jamais revue. Et on avait passé vraiment une super soirée. Enfin, tu vois, genre, c'était... Sur le moment, je ne m'étais pas rendu compte à quel point c'était bien. Mais au final, maintenant, quand j'y repense, c'était une des plus belles soirées de ma vie. Et comme je lui avais dit que je revenais tous les ans ici pour mon anniversaire, bah, je sais pas, je pensais qu'elle serait revenue. Une des meilleures soirées de ta vie? Ouais. Chris. Quoi? T'as vécu un souvenir, mais fabuleux. Tu sais combien de personnes seraient prêtes à vivre ce que t'as vécu? Non, je sais pas. Non, mais Chris, c'est, tu te rends pas compte. C'est si on demandait... Bon, là, il y a personne. Mais si on demandait à plein de gens... Je suis là. Mais si on demandait à plein de gens de vivre un souvenir comme ça, ce serait fabuleux. Je suis sûr, les gens, mais... Ouais. Ah, je t'assure. Enfin, bon, je sais pas. Souvenir, c'est bien, mais... C'est quoi, censé s'arrêter comme ça? Moi, tu vois, je pensais qu'on allait se revoir et que... Bah attends, je t'arrête tout de suite, là. Imagine, là, elle serait venue. Qu'est-ce que t'aurais fait? Où vous serez allé? Vous serez sûrement allé boire un verre? Et puis, tout de suite, vous serez... tu l'aurais sûrement invité chez toi et... Après, bah, vous serez un peu dragué et... Tout de suite après, bah, le petit bisou... Et après, ça aurait amené une autre chose. C'est, je trouve ça juste fabuleux, quoi. Il y a tellement de gens qui vivent seuls et vivent ça à deux. Et ça aurait amené ça et vous auriez vécu ça tous les deux. Mais c'est vrai. Oui, mais c'est vrai ce qui se passe. Non mais... Lonnie, faut pas t'en... Lonnie, arrête, faut pas t'en faire comme ça. Non, mais c'est juste... Mais c'est beau, je trouve ça beau. Tu vois pas la magie de l'amour. Faut pas te mettre dans des états pareils, hein. C'est mes histoires, c'est pas... T'inquiète pas. Non, mais c'est juste que... Enfin, je veux... Je veux me faire larguer par ma meuf. C'est pour ça, je suis pas dans le... Désolé pour ta meuf. Hein. Ah, mais ça... Au pire, on s'en fout. Ouais. T'en trouveras d'autres. Ça, je sais pas. Elle était parfaite. Mais tu sais pas. C'est l'amour. Oui. Au fait, tu veux... C'est pas ton chemin. Hein. Chris. Ah, Chris. Désolé.
Non, mais t'en fais pas, t'y es pour rien. Oh, ça va aller. Oh. Ah, c'est incroyable. Lonnie Bloomerberg. Bloomer merde, ouais. Si jamais j'y retourne quand même, tu m'accompagnes? Oui. On met la tresse sur place? Non. Non, c'est ça porte malheur de remettre une tradition qu'on a brisée avant, c'est ça? Mais écoute, j'ai décidé de te croire. Qu'on mettra ce film. Il a fait une life. Ça y est. On sait jamais. T'as changé d'avis? Non, c'est le briquet d'un pote. Ah. J'ai oublié que je l'avais sûrement. Qu'est-ce que... C'est t'as pas bien allumé. Action. Rodney Casco. C'est... My bad, my bad. Attends mec, tu me crois pas, j'ai rien à prouver. Hein. Mais par contre, elle perd sa piste. C'est bon? Ça va passer. Ok. Y a aucune raison. Ça y est, c'est fini. Non, c'est bon. Masta? Merde. L'erreur. L'erreur. Chris. Je sais pas. Essaye de te rappeler. Tu faisais quoi l'année dernière, par exemple? Faut que tu me dises, ça te semble pas super. Ça te semble ah pas merde, super. Est-ce qu'il rentrerait? Genre, je sais pas. Essaye de te rappeler. Tu faisais quoi l'année dernière, par exemple? Ça me semble pas super proche en tout cas. J'arrive pas à te dire. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez, on reprend. C'est ça, mais en tout cas, ça Par exemple, je sais pas, essaye de te rappeler, tu faisais quoi l'année dernière? Non, pas spécialement. Mais. c'est pas grave, attends, c'est pas grave. Merde, c'est pas grave. Attends, mais attends, j'ai inversé encore. Oh, Frankie! Oh, tu te ramènes! Hey, prêt pour la...